Oui, ce matin, la terrasse est très calme. Comme nous, d'ailleurs. Là, nous sommes devant le clubhouse. Et Aurel va démarrer. C'est parti. Tu vas tenter de débrancher. Bah, débrancher aussi. Ouais, ouais, ouais. Face à la vitesse de la voiture. C'est ça. Numéro 1. Je passe devant pour le plan. C'est un par 5 de 451 mètres. Et en gros, vous voyez où on est là, on part de là. Et il faut aller là-haut où il y a la petite voiture blanche. Voilà. Donc en sachant qu'entre les deux, il y a un peu d'eau, il y a. Voilà. Pas mal. Ouais, c'est bien ça. Je pars à droite. Je pars à droite. On verra. Moi je suis à gauche, lui à droite. Je suis à gauche, moi je suis à droite. Ouais. On verra quel. Bon bah c'est parti, hein. Premier départ. Hein. Donc un peu de stress parce qu'on est toujours en mode vidéo, donc toujours un peu stressant. On joue pas pareil, hein. Faut dire ce qui est. On essaie de bien faire pour que vous soyez contents. Donc du coup. Nous aussi, accessoirement. Aussi, voilà, accessoirement. Et là, le départ, un à gauche, un à droite. En distance, on doit être kiff-kiff bourrico, comme dirait l'autre. Donc on va vérifier ça. Bon, bah, premier départ. Du coup, on a quitté notre fairway. On est sur le fairway d'un trou, enfin, de trou du retour, je pense. Mais c'est pas grave, on va essayer de passer. Celle d'Aurel est encore plus compliquée. Donc, ouais, c'est à côté d'un arbre. Et... Moi, j'ai trois arbres devant, mais... On a fait de la distance. C'est ça. Ah, super, c'est ce qu'il fallait faire. Super cool. Ouais, je suis un peu chanceux. Ah non, super. Je la top, mais bon. Ouais, parce que beaucoup, parce que ça monte un peu. Bah oui, c'est pas grave, on se remet droit au moins. Il nous reste 140 mètres milieu de green. Alors ce qui serait bien, c'est de pas tomber dans le bunker qui est juste devant, pardon. Ouais, à peu près, ouais. Il y a un bunker juste là et le drapeau est juste derrière. Sur le green. La première régule de la journée sur le premier trou, ce qui est quand même pas dégueu. On est en 3 là. Aurel va la rentrer pour le coup. Ah, c'est bien poté ça. C'est bien poté. Ah, il nous assure le par Aurel là. Quasiment à pardonner ça. Numéro 2, un par 4 de 257 mètres, donc c'est beaucoup ce qu'on vient faire. Et du coup, bon, il y a un bunker qui est en jeu à droite, un autre qui est en jeu à gauche. Ah, il y a un peu d'eau. Et il y a un petit peu d'eau, donc il faut passer entre les deux. Voilà, on va voir. C'est parti. Zou. Et ça, un nexty. C'est propre ça, t'es droit. C'est un peu gratté, mais... Ouais, quoi? Ouais, j'ai gratté un peu. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ouais, bon, il est là. Il est bien, hein? Oui. Ah non! Oh merde, on a touché un arbre. Il était bien, mais. Alors là, il nous reste 120 mètres milieu de green. Il faut aller chercher le green, on n'a pas le choix, vu le départ qu'on vient de faire qui est assez merdique. 140 mètres, ouais, tout moyen. Hein.
Moi j'ai pas fini dans la mare mais j'étais pas loin. Ah, il veut jouer dans le bunker, il joue dans... Ah non, il est sorti. Commercial. Pas une. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ah, par à droite. Aïe aïe. Tape la butte. Oui. Oh là, c'est commercial ça aussi. Oh, c'est bon ça. On n'est pas sur le green, on est au bord. Il y a un bon 30 mètres, 40 mètres en approche à faire, encore en roulée peut-être. Donc Aurélie va faire. Puis je vais faire derrière. L'accident du parcours, petit bogey. Au numéro 3, un par 3 de 159 mètres. On va bien rigoler. Il y a un petit plan d'eau juste en plein milieu. La classe. Donc ben, un départ voilà, pas si mauvais que ça devrait, hein, 120 mètres. Oui c'est bien ça vrai. Oh là là, parfaite ta balle. Au milieu, mais t'as tapé juste après les départs rouges. Donc il nous reste un petit 40 mètres. Tomber en haut de la butte hein, parce qu'après derrière ça descend. Donc il est tout bien ses approches là, ouais, là. Il est parti à droite mais ouais, il bien touché hein. Il doit pas être si mal. Alors juste pour vous montrer quand même que on déconne pas hein, quand on vous dit les bosses, les machins, que le green il est un peu pentu. D'accord, la caméra ça donne moins bien. C'est ça, je suis pas si mal arrivé. Non, mais pas. Donc je vais pas me plaindre. Il y a pire comme vue pour un pote. Hein. Ouais, c'est sympa. Oui, solide, solide Aurel. Super ouais. Ça, super, pas. Donc on vient de faire le par, là c'est un le trou numéro 5, un par 5 de 444 mètres. Il est parti
forêt, on était mort. Il y a été dans la forêt. Je crois que le drive aujourd'hui. Ça s'appelle de la chatte. Donc on avait dit pas dans la forêt. Et pas dans la forêt. Et Aurel est dans la forêt. Et moi j'étais mais pas loin. Hein. Mais franchement c'était chaud boulette. Hein. Là on était pas loin de la pénalité. Là. On va voir. Juste là, à côté du poteau blanc. C'est dur. Ouais, peut-être plutôt prendre la ferme. Ouais, c'est bien ça. Écoute, ça avance, c'est nickel. Ouais, c'est bien. Pourquoi ce petit bas, c'est là. Touché, c'est là. Ça nous fera une balle pour approche. Hein. Ok, c'est pas mal un peu à droite, mais c'est super. Là, autant vous dire, les greens, c'est chaud boulette. Là. Pour l'atteindre celui-là, ça va être compliqué. Enfin, pour atteindre, non, mais pour y rester, ça va être plus dur. Ça roule hein, pas mal en plus, donc. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Reste là. Ouais, ça va rouler. Hein. Ah. Ouais, ça fait 4 là, c'est pas si mal. Bon, bah moi je suis là nous approche là. Hein. Oh il touche le mât. Oh il touche le mât. Allez bogey. Il y a la distance. Hein. Oui, c'est très bien. Alors nous on s'est dit qu'on jouait tous nos potes et qu'on se donnait pas les potes. Non. Voilà, c'est. On n'est pas assez bon. Quand tu es là, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne Nexty, donc Schling. Et du coup, ça nous fera très plaisir à ceux qui participent aux vidéos. Et en plus, eh ben, ça nous permet d'être encore plus motivés, même si on l'est déjà énormément. Mais ça nous aide encore plus, ça nous galvanise. Voilà, c'est l'idée, c'est le mot, la galvanisation. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça monte. On met des chaînes. Donc là, on est parti sur le trou numéro 6 du parcours. Alors c'est, je pense, un des plus beaux points de vue du parcours. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Alors là on monte, hein, on se rend pas peut-être trop du coup, mais on a un peu d'oxygène. Voilà, ça faut plus plat. Et là, non, j'ai pas envie de vous montrer. Ah si, allez, tant pis. Ça joue comme ça, mais je suis pas sûr que ça se voit bien. C'est pour toi. Regardez ce point de vue juste magnifique. On est au golfe de Belém, dans le Perche. Donc comme c'est, le nom le dit, hein, le Perche c'est vallonné. Et donc là on vient de. On est en haut de la colline. Donc c'est sympa comme tout. Ouais, Aurel profite là, il est. Voilà, c'est super beau. Alors, trou numéro 6, 147 mètres pour arriver sur le green. Voilà, c'est, ça peut être simple. C'est un par 3. Celui-là, on le connaît un petit peu, il n'est pas facile. Vraiment, c'est dur. Il fait comme moi, il part à droite. Mais il était peut-être mieux. Ah, le kick est pire. Ouais. Bon. Le coup à l'aveugle. Et l'idée, c'est de la faire tomber au drapeau.
Oh. Bon, il est sur le bobby ou rien. Pas grand chose. C'est quoi? Ça se joue à pas grand chose. Bogey, bogey, bogey. Donc trou numéro 7, pardon, de 324 mètres, un par 4. Bon, ça serait bien de partir sur un par parce que il y en a marre des bogeys là. Mal ça. Ça c'est top. Touche pas les arbres. Ah, tu nous mets bien là. Ça va être chaud pour le shot tracer, mais. C'est un beau départ de 190 mètres pour Aurel avec son Wacat. Wacat. Qui m'a overdrivé de 4-5 mètres. Voilà. Même pour. 140 mètres. Hein. 140 mètres. Pardon, il reste 350 mètres en fait. En descente et il y a de l'eau. Et derrière il y a de l'eau. Ouais. Oh c'est propre ça, bien touché. Enfin. Ah ouais. Pas mal. Je crois qu'il y a eu un clic qui l'a fait revenir sur le green. Quoi. Je crois qu'on est en régulier. Je pense qu'on est pas mal. Vous avez mis un truc pour ça? Pas du tout. Non. Ouais, il est sur le green, hein. Ah, on roule. Ah, ça s'en va. Ah, ça, elle a un peu roulé. Elle a un peu roulé. Ça, elle a plus qu'un peu roulé. Non, ça va rouler derrière un peu. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est un poil court, mais t'es. Un poil court, hein. En plus, t'es parti à droite. Ah, ou pas long, c'est pas court aussi, je vois. Ah, j'avais la bonne ligne, en plus. Bon, et ben un bogey. Oh là là, c'est possible ça, ouais. C'est un peu égaré à droite. Il a égaré à droite. Oh la vache, ça fait du bruit son truc là. Putain. La golfinette. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai joué à gauche. Et moi en droite. Je crois que je suis tombé là-bas, c'est bizarre quand même. Je suis arrivé là. Ah bon, c'est toi ça? Vas-y, c'est moi. Non, c'est ça. C'est pas possible. Si, c'est moi, c'est moi. C'est sûr. Vas-y. Tu peux y aller. Le départ, il est à gauche là-bas. Donc, c'est bon, oui. Ah, je pense qu'il est... Si, je suis parti totalement à gauche. Donc, bien à gauche. Ah oui, totalement bien à gauche. Là, alors que... Ouais, il est là-bas. Autant me dire que c'est un peu loupé l'histoire. Hein. Donc, d'Aurel, elle est juste là. Et en gros, il y a à peu près 50 cm avec l'arbre. Hop. Et il nous reste 100 mètres milieu de green. Ça roule, hein, mon ami. Ça roule. Ça roule, ça roule, ça va descendre. Ouais, bon, c'était pas fou. Il y a à gauche, mais c'est pas mal du tout. Ah, c'est pas possible. Pas pour ce qu'il y a là-bas. Donc. Ah, je crois qu'il y a un bunker. Donc, Aurel me demande ce que je préfère. La mienne est dans le bunker. Elle est à l'entrée du green. Et lui, il était avant le bunker. Donc, moi, j'aime bien jouer les bunkers. Et c'est là que je vais le foirer, et c'est possible. Mais c'est pas grave. Là j'ai pris du sable, il n'y a pas de problème.
pas la même. Ah, c'est mieux. En couleur. Eh, c'est pas... eh, la ligne était bien, hein. Ah, mais je suis mou. La ligne était pas mal, hein. Voilà, ça a plus appuyé. Très bien. Ouais, très bien. Allez, Aurèle nous la rentre pour le bogey. Super, encore un bogey. Maintenant, oui. Les bogeys, c'est fini. C'est fini, les bogeys. Maintenant, c'est les doubles. C'est des doubles, c'est ça. Pas mal, ça. Là, on va la boîte, bien. Pourquoi je suis mieux avec le bois 4 qu'avec le drive? Donc il nous reste 240 mètres, départ de 220 mètres. On devrait faire la même chose quasiment. Très bien. Avec une petite montée. Oh, c'est propre ça, Aurèle, putain. Ah, c'est propre, ça fait le taf là. Bravo. Joli coup. Je vais prendre tout mon bouquet. Il a joué avec son bouquet. Il veut me payer aujourd'hui, je vois 3, hein. Ça roule, ça roule. Bon, j'ai fait moins de distance qu'Aurèle là, je pense. Où est la pellicule, pas déconner. Hein. Donc Aurèle vient de nous claquer un bois 4 de 160 mètres en montée. Royal. Trou numéro 9, mi-parcours. Il faut pas peu faire, hein. Faut chercher le par. Hein. Allez. Ah, c'est un par 5, je pense. Voilà. Bon, on peut pas tout faire non plus. Hein. Ah, c'est propre. Ça va bien. Bien joué. Allez, faut que tu la mettes si tu veux être dans le... dans, comment dire... dans le montage de Mac Mouton, là. Ah ouais, putain. Bon, il a un... il a un putt pour birdie, là. Fort, ta bichon. C'est fort. Oui, parfait. Bravo, Aurèle.